Parce qu'on me dit, on m'a souvent dit, enfin, quand j'ai commencé à parler de ce club, on m'a dit, ah oh, Laurie, encore les Noirs, t'es fermée. Je dis, ben non, je m'ouvre à une littérature qui est moins connue que d'autres. Mmh. Oui, mais pourquoi tu fais pas telle ou telle autre? Et si c'est un blanc qui parle de l'Afrique? Ben, en fait, tous les Noirs ne parlent pas de l'Afrique. Ouais. Donc, enfin, voilà, il y a des raccourcis qui sont super vite faits et j'aurais pas le temps d'une vie pour parler de tous les auteurs afro. Un du continent, deux des afro-descendants, et il y en a plein qui naissent chaque jour. Tous les jours. Donc, et je suis pour l'ouverture de clubs de lecture parce qu'on m'a dit oh, non, mais t'as vu, eux, ils font la même chose que toi. Ouais, ben, heureusement. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Ce sera Reed, ce sera jamais un autre club de lecture, et l'autre club de lecture sera jamais Reed. Et qu'il y ait autant d'intérêt et d'envie de créer ces espaces, et ben, c'est juste. C'est juste magnifique en fait pour moi.